information récente qui est passée, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais moi m'était arrivé des frères le mot bleu cobalt. Et j'ai pensé que ça avait rapport aux êtres des étoiles, hein, puisqu'on a les indigos, on a les pourpres, etc. Alors j'ai essayé de chercher, mais c'est quoi ça, les bleus cobalt? Et par hasard, j'ai trouvé sur internet des gens, très peu, mais quelques-uns, qui commencent à dire « Oui, c'est bien tout ça, les indigos et tout, mais moi, quand j'essaye de sentir, c'est du bleu que je vois. » Ou les gens me disent que j'ai du bleu dans mon aura, etc. Et même certains ont même dit, j'ai retrouvé des gens qui ont dit « Et c'est un bleu cobalt. » Alors, j'ai réussi à trouver. Oui. C'est un bleu pur et électrique. Et en fait, le bleu d'Ashtar et toute la flotte, y compris de Michael d'ailleurs, c'est un bleu électrique qu'on a du mal à visualiser ici, mais probablement que le cobalt se rapproche le plus. Donc à la limite, tous les gens qui ont une connexion à Ashtar seraient des bleus, quoi. Alors j'ai trouvé quelques notes sur les êtres bleus. Alors, les ailes qui seraient bleues, c'est-à-dire les scarpipos de couleur bleue, mais aussi avec bleu dans l'aura, tout ça, c'est la même chose, seraient un groupe d'âmes empathiques et ultra-sensitives qui viennent, comme les indigos, de très nombreuses planètes d'autres dimensions, qui viennent ici pour illuminer le code génétique de l'humanité et augmenter la conscience divine sur Gaïa, là, sur la Terre. Mais les bleus sont le rayon perdu du travers de lumière. C'est des spéciaux dont on ne parle pas, qu'on a oublié quelque part. Curieux. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Alors, les êtres bleus, vous êtes venus pour transformer l'ADN qui a été muté et endommagé d'humanité et pour préparer la scène ici pour les autres rayons. Donc les bleus sont un peu des pionniers. On pourrait dire que les bleus, ils sont venus avant les derniers petits indigos pourpres, tout ça. Vous n'avez pas été reconnu pour votre lumière divine unique, y compris donc même par les autres indigos, même par les autres qui étaient dans tout ça. Il est possible que vous n'ayez pas été reconnu, ou qu'on vous ait trouvé quelqu'un de bizarre. Et la seule chose que vous avez eu à faire, c'est de vous reconnaître vous-même. C'était la seule chose. Et personne ne voulait vous reconnaître. C'est un business spirituel très spécial, vu que vous êtes des êtres super sensitifs. Mais vous avez le pouvoir spirituel d'être victorieux dans votre mission. Alors, depuis un certain nombre d'années là, récentes, les indigos, les arcs-en-ciel, les cristaux et vous, les êtres bleus, vous êtes incarnés pour créer un basculement vibrationnel vers les plus hautes dimensions. Alors, les êtres bleus, vous êtes ceux qui ont été oubliés, qu'on n'a pas bien vu, mais vous êtes essentiels pour nettoyer et préparer le plan de l'ascension de l'humanité. C'est à cause de vous, les êtres bleus, que la Terre va être capable de prendre sa place, grâce à vous, oui, c'est grâce à vous, les êtres bleus, que la planète pourra prendre sa place dans le nouvel univers et dans les conseils de paix, d'unité galactique et universelle. Les êtres bleus également. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous dans la seconde moitié de votre mission. Tout se passe dans la seconde moitié. Les plus grandes joies pour vous sont à venir. Alors que pour beaucoup d'autres, il y avait beaucoup d'excitation dans la première moitié. Pour les bleus, c'est dans la deuxième moitié. La mission des êtres bleus, infiltrer le système en se rappelant qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu, planter les semences de paix, amour, lumière et autres connaissances,
quelle que soit la dureté ou le temps qu'il a fallu pour faire ça, c'était votre mission, vous aviez les outils spirituels et la lumière divine pour y arriver. Les traits ou ce que sont les bleus, ce sont des transformeurs qui utilisent l'alchimie, c'est-à-dire en ce sens que vous transmettez naturellement, vous transmettez naturellement les basses énergies. L'âge des bleus actuellement serait entre 30 ans et la fin des 50 ans. On dit similarité avec les indigos, les cristaux, les êtres arc-en-ciel, mais ils sont beaucoup plus ultra-sensitifs, intuitifs, ils peuvent facilement communiquer avec les royaumes supérieurs, vous avez une connaissance sacrée et une sagesse. Très souvent, on vous prend par erreur pour des indigos. Vous êtes très adaptable et extrêmement empathique. Les bleus sont plus réservés et plus calmes que les indigos. Et ils apparaissent plus mystiques dans leur apparence. Parmi les bleus, ceux qui ont été depuis longtemps dans ce genre de mission, ils auront un air plus éthérique, ou vraiment, et ils ont l'air de gens des étoiles. La communication et l'expression se font pour les bleus souvent dans les arts créatifs. Il est extrêmement important pour vous de vous exprimer vous-même, ça fait partie de votre mission. Beaucoup des bleus ont pris très longtemps pour être capables de parler et d'être vus par les autres. Ils ont du bleu dans leur aura et ils ont beaucoup de bleu autour d'eux également, au-delà de l'aura. Ils ont aussi du violet, car ils ont la capacité de transmuter les densités basses avec le violet. Ils travaillent avec l'archange Michael, Saint-Germain et la flamme violette. Beaucoup sont ou ont été des guérisseurs spirituels ou guérisseurs énergétiques. Parce que vous voulez vraiment aider et guérir les autres, et vous avez une capacité de guérison innée. Beaucoup de types d'eau, c'est-à-dire émotionnel, non statique, associé avec l'énergie divine féminine. Musique, son, danse, nature sont très importants pour vous. Vous avez appris à cacher vos capacités supernaturelles et vous êtes resté souvent en arrière, dans l'attente, regardant, observant, mais toujours dans la connaissance. On peut résumer les bleus en disant ceux qui attendent et ceux qui travaillent sur l'encodement des lignes de temps. Les bleus ont été toujours préparés avec les événements qui allaient arriver, une connaissance intérieure qui les activait à un certain moment, quand il fallait prendre une trajectoire ou une autre. Ceci affecte votre carrière, vos hobbies, vos relations. Beaucoup des bleus ne sont pas nés avec des parents spirituels. Vous aviez à vous guérir vous-même, à transformer la famille, le dommage génétique, les traumatismes émotionnels et tous les systèmes de dysfonctionnement causés par le fait d'être dans une famille qui n'était pas spirituelle. Beaucoup de bleus sont connectés avec les mots travailleurs de lumière, nés des étoiles, Pléiade, Sirius, et les races évoluées de la Terre. Ils sont alignés énergétiquement beaucoup plus avec les Lémuriens qu'avec les Atlantes. Ils ont des incroyables capacités spirituelles latentes, des talents qui ne sont pas totalement activés.
Ils se sentent totalement hors de leur place dans leur famille. Ils sentent que leur famille biologique n'est pas leur origine, leur vraie origine, qu'ils sont des étoiles d'une autre planète ou d'une race évoluée. Ils sont ceux qui apportent la paix dans la famille ou avec les amis. Ils sont très persistants à long terme et vous arrivez toujours à votre destination. Très sensitifs à tous les aliments, les produits chimiques, l'environnement, le bruit, l'électricité. Ils ont besoin de boire beaucoup d'eau de source qui aurait toujours la force de vie à l'intérieur et d'être connecté avec les devas de l'eau. Les challenges, les défis pour les bleus ont des tendances à s'échapper de la réalité, être dans les autres royaumes, tendance à être seul de trop, se sentir seul et différent. Dans les premières années de la vie, tendance d'être addicté. En français, s'il vous plaît. Addicté. Ok. À quoi que ce soit. Hein. Fatigue chronique, parce que transformant toujours les énergies ou quittant le corps trop souvent, et pour des périodes trop longues. C'est pas bon pour eux. Bon, ils ont à régler pas mal de choses dans la communication. On leur disait qu'ils étaient différents, qu'ils imaginaient tout. Ils peuvent avoir des attachements d'entité, d'esprit ou de forme pensée négative. Parce que les êtres bleus transforment et montrent la lumière à ces entités, ou esprit ou forme. C'est pour ça que ces entités, esprit ou forme viennent vers vous. Et vous êtes capable de réparer les dommages génétiques et de les transformer. Les bleus sont empathiques, très possibilité, grande adaptation, et donc peuvent rester dans une relation de dysfonctionnement. Oui, bien. Une situation ou un environnement de dysfonctionnement. Ils ont besoin d'établir, de maintenir des barrières énergétiques et de connaissances. Ils ont tendance à donner trop ou laisser les autres rentrer dedans. Alors ici, on va faire un décret pour ce lieu, mais aussi pour chacun d'entre nous, pour éviter toute interférence avec les forces extraterrestres qui ne sont pas de la lumière en ce moment. C'est une invocation de grâce contre les forces extraterrestres qui ne sont pas de la lumière. Alors vous le direz mentalement ou tout après moi, c'est comme vous voulez. J'ai maintenant la compréhension claire de mon pouvoir. J'ai maintenant la compréhension claire de mon pouvoir. Sous l'autorité de grâce. Sous l'autorité de grâce. Au travers grâce et sa puissante énergie. Au travers de grâce et sa puissante énergie. Délivré par et au travers les royaumes angéliques des Elohim. Délivré par et au travers des royaumes angéliques des Elohim. Maintenant, je révoque tout agrément inapproprié. Maintenant, je révoque tout agrément inapproprié. Tout lien ou contrat. Tout lien ou tout contrat. Avec des énergies extraterrestres. Avec des énergies extraterrestres. Qui ne servent pas le plus haut bien. Qui ne servent pas le plus haut bien. Au nom de grâce. Au nom de grâce. Je demande maintenant que les énergies divines. Je demande maintenant que les énergies divines. Sananda Ashtar. Sananda Ashtar. Athéna Métatron. Athéna Métatron. Tous les archanges. Tous les archanges. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et de tout ce qui est saint. Et de tout ce qui est saint. De me libérer de toute influence. De me libérer de toute influence. Et de tout implant. Et de tout implant.
installé ou attaché, installé ou attaché, à n'importe quelle partie de mon existence, à n'importe quelle partie de mon existence, avant ce temps, avant ce temps, ou après ce temps, ou après ce temps, ou à n'importe quel moment de mon existence dans l'individualité, ou à n'importe quel moment de mon existence dans mon individualité. Comme ces choses sont dites soutes, comme ces choses dites soutes, je réclame toute ma divinité, je réclame toute ma divinité, et je demande à être empli, et je demande à être empli, avec l'amour et la paix de la lumière divine, avec l'amour et la paix de la lumière divine, qui est ma divinité, qui est ma divinité, je demande que mes anges gardiens, je demande que mes anges gardiens fassent ceci pour moi, fassent ceci pour moi, et je fais ces souhaits, et je fais ces souhaits au nom de Dieu, au nom de Dieu, et au nom de ma présence divine, et au nom de ma présence divine. Il en est maintenant ainsi, il en est maintenant ainsi. De plus, comme ma divinité est restaurée totalement, de plus comme ma divinité est restaurée totalement, je demande maintenant, je demande maintenant que l'archange Michael, m'entoure avec sa lumière bleue cobalt impénétrable, m'entoure avec sa lumière bleue cobalt impénétrable, pour me protéger de toutes énergies, pour me protéger de toutes énergies, vibrations, fréquences, vibrations, fréquences, et ondes, qui ne servent pas directement la lumière, qui ne servent pas directement la lumière, ou qui ne sont créés pour mon plus haut bien. Je l'accepte au nom de grâce. Je l'accepte au nom de grâce. S'il en est autrement, s'il en est autrement, j'annule ses effets. J'annule ses effets. Et je termine ses interférences. Je termine ces interférences au travers du bouclier de lumière bleu cobalt. Au travers du bouclier de lumière bleu cobalt. Je réclame que ceci soit fait. Je réclame que ceci soit fait. Et il en est ainsi. Il en est ainsi.